Trouver des solutions pour sortir l'université Omar Bongo de ce chaos qui la paralyse depuis plusieurs semaines déjà était le but de la rencontre qui a eu lieu ce jour entre le rectorat et les enseignants. Les différents problèmes auxquels fait face l'institution ont été passés au crible par l'Assemblée. Une reprise des cours serait souhaitable lundi selon le recteur. Nous travaillerons d'ici la fin de la semaine avec les responsables de sécurité de la gendarmerie pour voir comment ce déploiement pourra se faire dans l'institution pour assurer la sérénité à partir de lundi prochain. La décision de la suspension des cours avait été prise lors d'une assemblée générale du syndicat national des enseignants-chercheurs SNEC. Il reste donc à la dite structure d'apprécier si les conditions d'une reprise sont réunies. Nous avons été appelés par le recteur puisque la reprise des enseignements était conditionnée par un certain nombre par un plan de sécurité pour pouvoir revenir à la quiétude dans le campus. Donc nous l'avions entendu et il nous a fait un certain nombre de propositions, peut-être qui vont dans le sens d'une sortie de crise, mais suivant la logique syndicale, c'est une AG qui a demandé à la suspension et c'est une autre AG qui, à partir de vendredi, va apprécier les propositions du recteur pour pouvoir donner une réponse définitive. Au moment où le calendrier académique a été bouleversé, les enseignants et l'administration devront se dédoubler pour sauver ce qui peut encore l'être.